Joseph expliquait deux rêves Pharaon. Deux ans te fin passé, Pharaon en fait un rêve. Liwe li te campé bon la rivière Nil la. Liwe sept belles vaches bien gramontées sorti dans la rivière ya. Yo tap manje zèb bò de l'eau. Après ça, sept l'autre vache tout laid, tout meg monté sorti dans de l'eau tout. Yo vin campé tout près l'autre vache yo bò de l'eau. Sept vieilles vaches meg yo mangé sept belles vaches gras yo. Et puis je pharaon vin kle. Dormi pran encore, li fè yon l'autre rêve. Li wè sept gros grab blé qui t'a poussé sou yon sel pied blé. Yo te plein grain, yo te mi. Après ça, sept l'autre grab vin paret sou même pied blé ya. Yo te sèche, vannò de te fin boule yo. Sept grap sèche yo sou se sept bel grap yo. Et puis je pharaon vin klè encore. Se rêve sa yo li te fè. Nan matin, li te bouleversé en pile. Li voye chercher dernier divino ak nèg savé ki nan peyi l'Égypte la. Li rakonte yo rêve la, mais yo yon pat kapab explique rêve la ba li. Se lè sa, chef kambiz la di pharaon. Kounye ya mwen sonje mwen te fè yon fòt. Yon jou mon wa ou te an kolè sou servite ou yo, ou te fè mete yo nan prizon la kay komandan gad palè ou wa. Se te mwen mèm, chef kambiz ou wa, ansanm ak chef boulanje ou wa. Yon jou lan nwit, nou tout de te rêve. Chak moun te fè yon rêve diferan. Chak rêve te gen sans pal. Te gen yon jen ebre avec nou nan prison wan. Sete yon esklav komanda gad pale ya. Nou rakote l rêve nou yo, epi li explike yo ban nou. Li bay chak moun sans rêve li te fè ya. Tout bagay te pase jan li te di ya. Sou 3 jours vrai, pharaon te metem nan plas mwen anko. Pou chef boulanger a menm, li te fè pran li. Pharaon voye chache Joseph, yo fè soti bien vit nan prison an. Joseph fè la bab, li koupe chevel, li chanje rad, epi li paret devan pharaon. Pharaon di Joseph kon sa. Mwen fè yon rêv, person pa ka dim sa l vle di. Men yo dim depi yo rakonte ou yon rêv, ou ka explike l. Joseph repond pharaon. Se pa mwen menm non, se bon Dieu ki pral bay pharaon explication rêv la. Pharaon di, mwen rêve mwen te kanpe bò la rivye Nil la. Kon sa, sept belles vaches bien gratte monte soti nan la rivye ya. Yo tap manje zèb bò de l'eau a. Après ça, sept l'autre vache tout meg, tout laid, tout sèche te monte soti nan de l'eau a derrière l'autre yo. Mwen poko janm wè vie vache laid kon sa nan tout pays l'Égypte la. Vie vache meg yo manje belle vache gras yo. Lè yo te fin vale yo, se tan kou si yo pa de janm manje. Yo te rete menm jan yo te anvan. Et puis j'aime vin klè. Après ça, mwen fè yon lot rêve. Mwen wè sèt grap blé bien plein, bien mi ki t'ap pousse ansanm sou yon sel pye blé ya. Après ça, sèt lot grap paret deye yo. Yo te sèche, vannò de te fin boule yo. Grap meg yo sou se sèt bel grap yo. Mwen rakonte rêv yo bay divino yo, men yo yon pat kapab explike yo ban mwen. Joseph di pharaon, tout de rêv yo vle di menm bagay la.
Bon Dieu fait ou konnen sa li pral fè. Sèt vache gra yo, se sèt l'année. Sèt bel grap yo, se sèt l'année tout. Yo vle di même bagay. Sèt vache tout meg, tout led ki vin apre lot yo, se sèt l'année. Sèt grap blé boule yo, se sèt l'année tout. Sa vle di pral gen sèt l'année gran gou. Se janm so di Pharaon, bon Dieu vle fè ou konnen sa li pral fè. Pendant sèt l'année pral gen bel récolte nan tout peyi l'Égypte la. Apre sa, pral gen sèt l'année gran gou. Lè sa, moun pral bliye tout bel récolte yo te fè nan peyi ya. Gran gou pral fini net ak peyi ya. Gran gou ki pral tombe sou peyi ya pral red an pil. Moun pap wè tras rekòd ki te fèt nan peyi ya. Si Pharaon fè menm rêv la deux fwa, sa vle di, bon Dieu gen tan fin fè plan net. Yon bagay bon Dieu pral fè talè kon sa. Kounye ya, se pou Pharaon chwazi yon moun ki gen l'esprit ak bon kompran, pou mete l chef tout partout nan peyi l'Egypt la. C'est pour mettre chef tout partout dans pays ya pour yo ramasser yon 5e dans toute récolte qui pral fait pendant 7 bon l'année yo. C'est pour yo ramasser provision pendant toute l'année qui pral venir yo. C'est pour Pharaon ba yo autorité pour yo empiler provision yo dans dépôt dans chaque ville. Les fini pour yo veiller yo. Comme ça provision sa yo va servir yon réserve pour pays a pendant 7 l'année grand gou ka vin tombe après ça sous pays l'Égypte pour grand gou pa fini ak pays a. Pharaon ak tout moun pal yo te tombe d'accord ak sa Joseph te di a. Pharaon di moun pal yo, ki bon nou ka joine yon moun ki gen l'esprit bon Dieu sou li tankou nom sa. Amen. Oui. Pharaon dit Joseph, gade tout bagay bon Dieu fait ou konnen. Pa gen personne ki gen plus l'esprit, ou sinon, plus bon comprendre passé ou. M'ap mete ou chef sou tout peyi mwen. Se pou tout moun nan peyi a obeyi ou. Se seulement paske mwen wa ki fè mwen menm m'ap pi gwo chef passé ou. Amen, tout gloire pou bon Dieu. Apre sa, Pharaon di Joseph, gade, m'ap mete ou chef pou gouverner tout peyi l'Egypte la. Li wete gwo bag ki te nan dwet li ya, li mete l nan dwet Joseph. Li abiyel ak yon rechanj fèt ak bel toal fin. Li pase yon chen lò nan koul. Li fèl monte sou yon cha. Sete pi bel cha nan tout peyi ya, apre chawa. Li bay gad donè ki tap mache devan Joseph yo lòd pou yo di biye fò. Abrek. Se kon sa Pharaon te mete Joseph chef sou tout peyi l'Egypt la. Pharaon di Joseph, se mwen menm Pharaon kap pale avèk ou. Person pa gen dwa fè anyen ni alo ken kote nan peyi l'Egypte san permisyon ou. Pharaon rele Joseph, Safna, Paneak. Li pren Asnat, pitit fi Potifela, yon pret la vil on. Li bay Joseph li pou madame. Joseph al vizite tout peyi l'Egypte la. Joseph te gen 30 ans lè li te komanse servi Pharaon wa peyi l'Egypte la. Li pati, li voyaje tout patou nan peyi l'Egypte la. Pendan 7 bon l'ane yo, te a te bay an pil rekòd. Joseph ramase provision pendant 7 l'ane bon rekòd yo nan tout peyi ya. Li mete yo nan depo nan la vil yo. Chak la vil te gen kont depo pou sere tout sa jaden alantou yo te bay.
Li ramase blé, li ramase blé tant kou ta di se sa bol an mè. Si tellement te gen pile blé. Yo pa ka konnen quantité ki te genye. En voilà les grands gou yo mete pied. Joseph te gen tan gen deux petites ak Asnat. Petite fille Potifela prête la ville on. Joseph rele premier ya Manasé parce que li tap di nan kèl. Bon Dieu fait m'blier toute souffrance moi ensemble ak moun la kay papa mio. Li rele deuxième lan Ephraim parce que li tap di nan kèl. Bon Dieu fait m'faire petite nan pays côté m'ap souffri ya. Sept bon l'année récolte yo te fin passé nan pays l'Égypte. Sept l'année grand gou yo te commencé Jean-Joseph te di ya. Gangou ta bat nan tout pays yo tou. Mais te gen manje toujours nan tout pays l'Égypte la. Mais yo le grand gou commencé mette pied nan pays l'Égypte la tou. Peuple la même prend relais nan oreille Pharaon. Y ap mande manje. Pharaon di moun pays l'Égypte yo. Al jwenn Joseph. C'est lui même qui va di nou sa pou nou fè. Le grand gou a te tout partout nan pays l'Égypte la. Joseph louvri tout depo yo. Li vann moun pays l'Égypte yo blé. Parce que grand gou a te red en pile nan pays l'Égypte la. Moun sorti tout partout dans tout l'autre pays yo vin acheter blé nan men Joseph nan pays l'Égypte. Parce que grand gou a te red en pile tout partout sous la terre.